Quel était le plus haut sommet du monde avant qu'on découvre l'Everest? Evian. Ah non, non, moi j'arrête. Voilà. Non, ah non, j'étais un fou, j'ai trop mal là, j'ai trop mal. Ah, salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Soyons Food XXL. Cette année, on vous a dit, accrochez-vous, ça va être big. Et regardez où je suis aujourd'hui. Je suis sur le toit du Parc des Princes. C'est une dinguerie. Vous vous demandez sûrement pourquoi je suis là. Tout simplement parce que dans quelques jours, il y a Paris Saint-Germain qui affrontera l'Olympique de Marseille. Et ça se passera sur Prime Video avec qui nous sommes partenaires. Aujourd'hui, c'est la carte de crédit de Bouscapé qui est magique. C'est fantastique. Regardez juste derrière moi, The Eiffel Tower. What an amazing view, comme on dit, outre-Manche. Et oui, on maîtrise un peu les deux langues, c'est carré. Aujourd'hui, j'ai des invités d'exception qui m'attendent juste en bas. Donc, on va aller les rejoindre. C'est monsieur Dahuzi et monsieur Hornette. La frappe, comme d'habitude, ça va se passer en trois parties. Interview, ensuite, ça sera un quiz. On finira par un défi. Celui qui perd, eh ben, il a un gage. Et le gage aujourd'hui, il va être un peu corsé. Je vous laisse profiter encore un peu de la vue, de tout ce qui se passe autour de moi. Et on y va pour une grosse journée. C'est parti, let's go. La famille, on va commencer tout de suite par l'interview sprint, mais avant de commencer, on va accueillir nos deux invités prestigieux dans un lieu prestigieux. Aujourd'hui, je vais commencer par ma droite, monsieur Dahuzi, comment tu vas frérot? Ça va, tout doux et toi? Tranquille? Ça va, alhamdoulilah. Bah, j'espère que t'as la pêche. Ouais, j'ai la pêche, toujours, tu sais comment on fait. Là, t'es content un peu? Ouais, d'être là. Je suis bien, je me sens dans mon élément. En Pedro Miguel, ouais, ou Neymar? En Pedro Miguel, en Cardetti, en tout ce que tu veux. En 2002 jusqu'en 2022. C'est carré. Et à ma gauche? Franchement, comment tu vas frérot? On est là frérot, ça fait plaisir d'être là, t'es fou, c'est un délire. À chaque fois on se voit dans des très beaux lieux. Hein. Ah, mais là, elle est, là c'est le Parc des Princes. Non, ça porte du bon, du positif. C'est dur. Les gars, je vous explique le principe de l'interview sprint. C'est très simple. Vous allez avoir plusieurs questions pendant une minute. Essayez de répondre au plus vite, parce qu'il faut du coup avoir le plus de points possible. Celui qui l'emporte sur l'interview sprint a un point supplémentaire pour la suite de l'émission. Okay. Et ce point sera bien évidemment très important. Tu sais que tu vas gagner. C'est carré. Tu sais que déjà j'étais en mode ah ouais, vas-y, fais voir. A préciser que avant l'émission, il m'a dit donne-moi les questions quand même. Non, mais non. Ouais, c'est vrai. J'ai essayé de corrompre le gars, quoi. T'as essayé. C'est bien. La famille, on va démarrer tout de suite cette interview sprint avec Dahuzi. Banks. T'as compris toutes les règles? Oui, je suis prêt. Tout est bon. C'est prêt. Chrono, une minute. Ouais. On y va? Vas-y. Là, c'est comme question pour un champion. Vas-y. On y va. 3, 2, 1, top. Ville de naissance. Angers. Nom de ton école maternelle. Charlemagne. Quel était le plus haut sommet du monde avant qu'on découvre l'Everest? La tour du milieu. L'Everest. La tour du milieu, trois tours. Qui a gagné le dernier classico? Le PSG. Mais on en a pas perdu depuis 10 ans. Ton joueur préféré? Mon joueur préféré? Ricoba Alvaro, de l'Inter de Milan. Quel joueur du PSG a eu droit à son documentaire sur Prime Video? Je sais pas, mais Pedro, il aurait dû l'avoir. Sergio Ramos. Est-ce que le 14 juillet existe en Allemagne? Je sais pas. Oui. Date du classico à venir sur Prime Video? Je sais pas. Le 16 octobre. Peut-on écrire vert avec un stylo bleu? Oui. Oui. Quel club a formé Christophe Galtier? L'Olympique de Marseille. Qui a gagné le premier classico? Le Marseille. Dans l'année, combien de mois ont 28 jours? Un seul. Tous. Comment s'appelle la série phare de Prime Video avec des super-héros? The Boys. Ton premier boulot? J'ai jamais travaillé. Est-ce qu'on peut faire une passe décisive? Top. Il est complètement... J'ai jamais travaillé, je suis au parc. Et j'ai une Rolex. Il est complètement fou. C'est okay, facile. Là, tu peux ça enlever. Va, mais des fois, il y a des trucs de con, c'est bizarre. C'est pas un truc de non, foot de max. Pas, tu vas me battre, tu vas me battre. Non, ça va, t'es bien là, ça va, tu souris, t'es bien. T'as non, bien parce que j'ai dit des trucs bêtes, pour ça, chérie. J'ai dit grave des trucs bêtes, genre. La famille, on va enchaîner avec la deuxième partie du sprint cette fois-ci. On va passer à Hornette. Frérot, tu peux le battre, tu peux le faire. Ouais, est-ce que t'es prêt? Vas-y. 3, 2, 1. Ville de naissance? Argenteuil. Nom de ton école maternelle? Alexandre Dumas. Quel était le plus haut sommet du monde avant qu'on découvre l'Everest? Evian. Attends, pause. Pause. Non, c'est une bouteille d'eau. Il y a une montagne d'Evian, wesh. Et toi, ton nom Gaillard et tout. Il y a une montagne d'Evian, non? Mais c'est pas un sommet, toi. Bon, on va reprendre. On repart, t'es prêt? Vas-y, t'es prêt? Vas-y. 3, vas-y. 2, 1. Qui a gagné le dernier classico? Paris. Paris. Ton joueur préféré? Benzema. Quel joueur du PSG a eu son documentaire sur Prime Video? Neymar. Sergio Ramos, est-ce que le 14 juillet existe en Allemagne? Oui. Oui. Date du classico à venir sur Prime Video?
Dimanche, 16 octobre. Peut-on écrire vert avec un stylo bleu? Oui. Oui. Quel club a formé Christophe Galtier? Je sais pas. L'Olympique de Marseille, qui a remporté le plus de classico? Paris. Paris. Qui a le plus de trophées dans son palmarès? Entre qui? PSG Marseille. PSG. PSG. Dans l'année, combien de mois en 28 jours? Février. Non, tous. Ah, je change. Ton premier boulot. Livreur de pizza. Livreur pizza. Est-ce qu'on peut faire une passe décisive en tirant un penalty? Non. Oui. Ah merde. Comment s'appelle le documentaire sur Prime Vidéo qui nous plonge dans l'intimité des clubs? Intime PSG. La famille, l'interview sprint, c'est plutôt bien passé. On a eu des réponses pour moi déjà cultes. On va passer tout de suite au quiz. Donc là, il va se passer d'autres choses, les gars. Il va falloir user de son cerveau, okay, mais aussi de ses talents de footballeur. Okay. Ah, ouais. Ah ouais, là, c'est. Okay. Il va falloir avoir un peu de précision, quoi. Ah ouais, bien. C'est bon, vous êtes prêts? On y va, c'est parti, on passe à la suite. Ah, on va passer tout de suite au Classico Quiz. Je vais vous expliquer les règles et les gars, je vais vous expliquer les règles en même temps, comment ça va se passer. Ça va être deux équipes qui vont s'opposer. La première équipe sera composée de Hornet Lafrappe, ancien libéro, et de Dahuzi, ancien numéro 10. Et vous allez m'affronter moi. Vous avez vu, on a mis en place un petit parcours. Il y a 6 ballons de baudruche et une cible à la fin. Donc là, il y a quelqu'un qui va nous poser une question à chacun. On répond à cette question. Si on répond bien, il nous passe une arme. Ces armes font partie de l'univers Prime Vidéo, des séries qu'on peut y retrouver, etc. Avec cette arme-là, tu viens, tu essaies d'éclater le ballon de baudruche. Quand c'est fait, tu peux avancer à la cible et mettre une frappe. Pour les spécialistes de fléchettes, on va pas faire de doublé, de triplé, etc. Si ça atterrit sur le 20, ça sera 20 points en plus sur le truc final. Si vous avez éclaté les 6 ballons de baudruche, ça vous fait un total de 50 points plus les points que vous aurez cumulés là-bas. Donc faut aller le plus vite possible. Vous avez toutes les informations. J'ai toutes les informations. On y va, c'est parti, le Classico Quiz. Let's go. On est prêt, voilà, tout est prêt. Les questions sont là, le matos est là, l'équipe est prête. Voilà, là-bas, c'est 100% Rec 118. Je doute de l'impartialité, mais bon, c'est pas grave. Oh, mollo. 3, 2, 1, let's go. Ok, qui est le meilleur buteur de l'histoire des Classico? L'histoire des Classico, Paoletta. Cavani. Non, Ibrahimovic. C'est ça, bien sûr. Let's go. Zlatan. Oui, je vais te donner. Fais pas ça. Je te donne le couteau. Voilà, fais pas ça, je t'ai vu venir. Je t'ai vu venir, je t'ai vu venir. Oh. C'est bon. Faut aller tirer. Oh. Ah ouais. Oh oui. J'ai un plastique. Tu l'as vu mon point ou pas? Oh putain. Ok, t'es prêt? Ouais. Quel sera le scénario du film Classico qui sort bientôt sur Prime Vidéo? Réponse A, ramener la coupe à la maison. Réponse B, Jules qui doit sauver l'OM avec un concert au Parc des Princes. Réponse C, une histoire d'amour entre un supporter du PSG et supportrice de l'OM. Réponse D, un classico match entre les quartiers de Paris et ceux de Marseille. 4. Non. Réponse A. Ramener la coupe à la maison, bonne réponse. Bien joué. Ok, réponse A. Oui. Oui. Ok, je prends le casque, celui-là, merci. Oui. Question 3. Quel joueur a joué le plus de fois le classico dans l'histoire? Réponse A, Marco Verratti. Je me suis ouvert. Je te jure. Réponse B, Marquinhos. Réponse T, Steve Mandanda. Réponse D, Fabien Barthez. Mandanda. Mandanda, bonne réponse. Oh, attends, je veux pas. Ah ouais, ma gueule, nous, on est tricheurs, ma gueule. Eh, hey, concentre-toi, mais après. Qui a remporté le plus de fois le Classico? Paris, réponse Paris. B, Paris. Paris, bonne réponse. Le clavier, tiens. Question 5. Parmi ces acteurs, qui partagera l'affiche du film Classico avec Ahmed Silla? Hakim, Jamie Lee, Jean Dujardin, Thomas N'Gijol ou Oxmo Puccino? Puccino. Oxmo Puccino? Non. Thomas N'Gijol? Non. Hakim, Jimmy? Oui, Hakim, Jimmy. Allez. Tiens. Bombarde mon refoul là. Oh là là, déchire-le. Oh. Cadeau, cadeau. Parce que faut vous rappeler. Hakim Jimini, B, Jean Dujardin. Question 6, Hornet. En comptant le 16 octobre, combien de classicos ont été joués, toutes compétitions confondues? Réponse A, 396. Réponse B, 124. Réponse C, 75. Réponse D, 103. 103. 103. 103. Bonne réponse. Il reste la crosse. Oh, putain. C'est mort. Déchire-le ! Voilà ! Applique-toi ! Bien joué ! Regarde-le ! Regarde-le ! C'est pas possible ! Regarde-le ! T'as vu le coup du foulard ou pas ? C'est 9-3, man gars. Babank ! C'est fou quoi ? Babank ! Impossible, mon père ! Impossible, mon père ! Ah, il vous reste un ballon ! Comment il nous reste un ballon ? Il n'y a plus de questions ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Attends, il n'y a plus de questions ! Ouais, c'est pas grave, je vais lui niquer le ballon ! Et je vais... Oh, c'est pas vrai !
T'es avec toi. 17. T'es avec toi. Ouais, est-ce que vous avez vu là un peu de corruption, hein? Un peu de corruption, Nico. C'était un faux couteau. J'ai réussi à me planter avec un faux couteau, c'est une dinguerie. La famille, le classico quiz touche à sa fin. Il y a eu des petites blessures, voilà, on désinfecte, ça fait partie du jeu. Ils partent gagnants sur le classico quiz. 3 points pour eux, 1 point pour moi. Et on va sur la partie finale, ça va encore être très très lourd sur le défi final. Let's go. La famille, on va tout de suite commencer le dernier défi du jour qui s'appelle, les gars, le défi Titi parisien. On est dans une zone qui est délimitée, donc on est dans un cercle. À l'intérieur de celui-ci, il va y avoir une voiture télécommandée. Et dessus, il y aura la tête de Titi. Mais attention, on ne tire pas sur Thierry Henry. On essaye de le toucher pour toucher la perfection. Ah, c'est... Donc ça, c'est la petite... Respecter Titi. Voilà, faut le respecter. Ça, c'est la petite voiture qui va circuler dans ce cercle. Et faut toucher ça. Donc on va avoir des armes qui se... Du coup, vous êtes grave dans les trucs de gamin. Nerf, petite voiture, c'est grave ça. Il l'a dit, on va avoir des nerfs. T'as le tien, tu as le tien, frérot. Une fois qu'il est déchargé, vous allez avoir des recharges qui seront là-bas au fond, près des barrières. Okay. D'accord. Mais il y a un élément que je dois vous donner, les gars. On va être attachés tous les trois. On va enfiler un baudrier et des élastiques vont nous relier. Donc ça va être ça la complication. Et en plus de ça, on va avoir une ceinture qui va nous envoyer des électrochocs. À chaque fois que tu touches une fois, on s'arrête. Toi, tu l'as touché, donc tu viens et t'appuies sur notre bouton. T'appuies sur son bouton et nous on reçoit des décharges. On peut pas appuyer tout seul? Est-ce que tu vas être honnête? Bah ouais. Je te crois pas. Il faut le toucher 5 fois et après t'as gagné. 3 points pour le gagnant, 1 point pour le deuxième et 0 point pour le dernier. Vous avez toutes les informations, c'est le dernier défi du jour. On va se donner à fond, let's go. On est prêt, on est équipé. C'est bon. On a mis des petites lunettes de sécurité, c'est important. Si vous faites ça à la maison, voilà, protégez vos yeux, c'est très très important. Là il y a la voiture qui commence à rouler. 3, 2, 1, c'est parti. Ah! Touché, touché, touché. 1, 2, 3, 4, c'est bon. C'est 3. C'est 3. Ça va. Lui, ça lui fait rien, lui. J'ai trop d'électricité dans le corps, ma gueule. Ça peut rien me faire. Ah, honnête, hein, vite. Allez, tombé. Maman, mais pourquoi les passagers, ma gueule? La requête, prenne-le. La requête. On l'a touché. Regarde, il est rentré dedans. Non, mais il m'a poussé. Monsieur l'arbitre. Eh, mais après, ça s'arrête le truc ou pas? Parce que là, je commence à sentir. Hein. Oh, s'il te plaît, ma gueule. Oh ouais, c'est relou un peu. Hein. J'ai touché. Merde. J'ai touché. Ouais, voilà, j'ai plus trop envie de jouer. Hein. Eh, vas-y, moi, ma gueule. Oh, 3 frérots. J'ai mis 4. Attends. Allez, tiens, vas-y. Attends, mais ça joue pas. T'as joué, frère. Non, il a pas dit ça. T'as joué, il a dit. Ah, ça joue. Le mec, il a dit ça jouait. 3. Ah, 4. Ah. J'ai touché. Putain. On fait la paix ou pas? Ouais, viens, on fait la paix. Vas-y, va à 3. Vas-y. 3. Vas-y, normal. Oh là, je te ferai plus. 1, 2, 3. Bien joué. 3. Touché. Putain de merde. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Putain, voilà. Allez, tiens. Je veux plus la peine. Eh, mais ouais, j'ai combien là dans mon truc? Ouais. Mais attends, mais au milieu, c'est trop dur. Touché. C'est moi. Replay. C'est moi. Je laisse le point. Viens, faut que tu me donnes ton ventre aussi. Dites Nico tricheur dans les commentaires. Ça fait 3 pour René, 3 pour moi, 2 pour DA. J'ai touché. 4-3. Eh non, voilà, ça me fait trop mal. Je te jure jamais. Ah mec, ça me fait trop mal. Ouais. Voilà, tu peux pas me mettre en plus là. Voilà, il simule. Ouais, c'est juré qu'il le simule. Le courant de la mec, c'est trop mal. C'est bon ou pas? Voilà, ouais, j'ai trop mal. J'en mets un seul. Ah non, moi j'arrête, voilà. Non, attends, voilà, regarde, voilà, là j'arrête. J'ai 4, il a 3, j'ai 1, c'est bientôt fini. Mais t'es un fou, j'ai trop mal. Ah. Ça se joue maintenant. Oh là, j'ai de la transpiration dans les yeux, je vois même plus bien. Je prépare les deux. J'ai touché. Oh mais attends, donne-lui direct, hein, laisse-le conduire, c'est mieux. Quoi, pourquoi? Ouais, tu lui ramènes devant. Mais toi, ton corps il est électrique. Voilà. D.A., un dernier. Non, moi je peux plus. Arrête, frérot, j'en ai trop là. Fais comme si tu m'as mis, voilà. Fais comme si tu m'as mis, joue, frère. Bien, fais genre j'appuie et. Appuie pas, hein. Ah là, voilà, j'ai trop mal là. J'appuie pas. Mais pour le contenu. Non, mais tu fais genre. Non, mais j'appuie pas. Là, ouais. Non, j'appuie pas. C'est merde. Non, mais fais A aussi. Non, mais j'ai déjà mal là. Je peux plus faire A plus.
Les gars, j'ai gagné, non? J'ai gagné, j'ai touché 5 fois. Ah ouais? Bah vas-y, t'en mets. Oh, jusqu'à 10. La famille. Aïe. 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 La famille, le défi de Titi parisien touche à sa fin. Score final, DA fini dernier. Mais les gars, je suis bon ouais, joueur. Ma gueule. Je suis bon joueur. On a dit celui qui rentrait dans le cercle, il avait une pénalité. Je vous laisse appuyer sur ma ceinture électrochoc là. Combien vous voulez? À vous de voir si vous êtes des bons. Ah non, je suis pas un bon, je m'en bats les couilles, moi. Ah ouais, mais moi, voilà, c'est... je suis vraiment pas un bon. Ah ouais, t'es mort. Ah putain, non, 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 non. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Eh, chie-toi pas dessus, ma gueule, hein. C'est une dinguerie. La famille, on l'avait dit, celui qui perd, il a un gage. Et le perdant du jour, c'est Dahuzi. Donc frérot, ça va être simple. On va augmenter au maximum. Attends, tu vois ce que tu dis, ma gueule. On va augmenter au maximum. Ta arrête, ma gueule. Ta ceinture. Non, moi, tirez-moi dessus, c'est bon. On va faire comme pour moi. Je veux pas. Vas-y, Arnette, appuie en premier. Arnette, c'est mon frérot, t'inquiète. J'ai on est parti sur le gage, la famille. J'ai pas appuyé. Ouais, je mets gros, t'appuies. T'appuies grave des fois, là. Ouais. Mais y'a rien. Trop fort. Sans rien. Vos gages, c'est pas pour moi. Ah là, il est éteint, il est éteint. Ah, il est éteint, son truc. Ah ouais, il est éteint, vous êtes couillés, mais la fin de l'émission. La famille, cette émission touche à sa fin. Ce Soyons Foot XXL est terminé. Déjà, les gars, Hornet, est-ce que t'as passé une bonne journée? Franchement, j'ai kiffé, t'es fou, il fait beau, on est au parc, un délire. C'est le principal, DA. Pareil, voilà. Un petit mot. En plein parc, je me sens comme Pedro Miguel. Merci beaucoup, les gars. Merci à toi. Merci d'avoir joué le jeu, c'était super cool, on a bien rigolé. Un grand merci à vous qui avez regardé cette vidéo. Je vous le rappelle, le 16 octobre, Paris Saint-Germain accueillera l'Olympique de Marseille. Pour frapper. Pour frapper. Ici même, au Parc des Princes. Et ça va se passer sur Prime Vidéo. Un grand merci à eux. Et surtout, un grand merci au Parc des Princes qui nous a accueillis aujourd'hui, qui nous a ouvert les portes d'un peu partout. Merci à vous, les gars. Hornet, merci frérot. Déa, merci. Les gars, une petite actu. Il y a des... Qu'est-ce qui se passe là prochainement? Franchement, en studio. Hein. Studio, ouais, ça studio bosse. À fond, ça bosse. Hein. Ok, ça bosse. Déa. Regardez, j'arrive. Ok. Bête de promo. Je peux pas t'aider. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain Soyons Foot XXL. Ça va péter encore. Let's go. Ah, faut d'abord rentrer ton cul dans ça et après tu mets ton cul droit pied gauche. Ouais, j'ai gâté. C'est ça, non? Tu rentres ton cul là d'abord, hein, et après tu mets ton cul droit. Il parle que de son cul. J'ai pas capté. Ah, ma gueule, voilà. J'aime pas trop qu'on me serre les couilles comme ça, ma gueule.